Eh bien, salut tout le monde, c'est Udo, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur LEGO Jurassic World. Et rappelez-vous de l'épisode précédent, nous étions arrêtés juste ici devant l'hélicoptère. Aujourd'hui, nous avons tout simplement monté dans l'hélicoptère et se retrouver à San Diego, sûrement pour l'épisode final du deuxième film, Le Monde Perdu de Jurassic World. Allez, c'est parti. Il y a 15 ans de cela, John Hammond a fait un rêve. Eh bien, dans une demi-heure, le rêve de John Hammond, réimaginé, va se réaliser. Ce soir, nous baptisons Jurassic Park de San Diego avec une méga attraction. Le bateau, il arrive. On avance. Ok, parfait. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que le... D'accord, déjà on peut aller dans l'eau, c'est génial. Ah bah là, c'est pas compliqué ce qu'il y a derrière, là c'est le bateau, cocotte. Donc, on va voir déjà pour les pièces. Est-ce que... C'est ça, oui. D'accord, donc là il y a un personnage qui apparaît, c'est génial. D'accord, donc qu'avons-nous à faire en fait dans cette zone-là? D'accord, donc là déjà, ça c'est que pour des pièces, je pense. De quoi s'agit-il? Là, pareil que pour des pièces. Flash spécial. Un reporter du coin se retrouve coincé sous... Vous devez me tirer de là. Il faut que je couvre cet événement. D'accord, on va essayer de le tirer d'ici, donc j'appuie plusieurs fois sur B. Ok, donc là, ça a l'air d'être tout bon. D'accord, apparemment on peut sauter là-dessus. Ça serait sûrement pour passer de l'autre côté, j'imagine. Parce que là, ici, ça doit être que pour des pièces. Ouais. Bah écoutez, ici, on n'a pas grand-chose à faire. On va devoir passer, je pense, de l'autre côté. Ok, donc on va appuyer sur A. Quand tu veux, Coco. Voilà, A, parfait. On va tourner par ici. D'accord, qu'est-ce qu'il fout dans l'eau, lui? C'est pas grave. Ah bah elle a pratiquement réussi, d'accord, c'est pas grave. Alors, ah, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, et voilà, c'est bon. Ok, alors, qu'est-ce que devons-nous faire juste ici, là? D'accord, donc pour le moment, c'est juste des éléments à exploser, mais je pense qu'il va falloir utiliser la grue. Ou pas. Ah, attendez, il y a quelque chose, ça c'est une manivelle. Voilà, on va devoir la positionner juste ici. Ok. Ok, maintenant, on va tourner avec le stick gauche. Alors, je sais pas de quoi il s'agit, peut-être une échelle. Une échelle ou un escalier, je sais pas. Donc, hop, on fait tourner ça, voilà. Ah oui, je pense qu'il doit y avoir quelqu'un là-dessous. D'accord, c'est une passerelle hein, pour rentrer tout simplement dans le bateau. Voilà, donc on va pouvoir y accéder tranquillou. Pourquoi Y? Ah oui, parce qu'on ne peut pas y rentrer, il n'y a que Ian Malcolm. Ok, et là nous avons une échelle maintenant. Ok, donc c'est ici qu'on va monter. Ok, alors là encore des pièces, j'imagine. Ouais. Pareil que pour des pièces, pareil. Ok, bah écoutez, on va continuer d'avancer. Par contre, au-dessus, on peut monter ou pas là? Bah pour le moment, on dirait que non. Peut-être que après. Une fois qu'on aura dégommé toutes ces caisses. Ouais, il y a des choses à reconstituer. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, déjà, j'explose ce dernier truc. Et apparemment, il y a d'autres choses en dessous. D'accord, bah écoutez, on va faire le tour en attendant. Parce que je pense que ici, après, je ne pourrai plus y accéder si le toit est ouvert. Ah, mais je ne peux pas y accéder de toute façon. Donc ça, au moins, c'est fait. Bah écoute, on va monter au-dessus, alors. Voilà, et là, on va pouvoir monter tout simplement dans la grue. Ok, parfait. Alors, Y... Ok, donc là, c'est pas moi qui dirige, hein, si jamais, c'est automatique. Ah, là c'est moi qui dirige maintenant. Ok, donc comment je fais pour faire baisser ça?
Non, ça c'est pas pour faire baisser. Ou alors, si, il faudrait peut-être que je ramène une caisse, la caisse bleue là, non? Il y a quelqu'un en dessous. Bon, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Alors, attendez, soit ça met sa vie à arriver, ou soit ça n'arrive pas. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Ok, donc là c'est automatique. Voilà, donc déjà ça va pouvoir permettre de sauver quelqu'un. Ok, donc 2 sur 3. Ok, parfait. Donc maintenant, on peut descendre de la grue et descendre tout simplement du bateau. On va aller de l'autre côté du quai en passant par le conteneur qui vient juste de tomber dans la flotte. Voilà. Et ici, je pense qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre à sauver. Mais dégage, ta propriété privée, là. Toi aussi, tu dégages. Voilà. Non, parce que c'est vrai que je suis en train de les sauver et les gens, ils veulent me casser la figure. Non, mais allô, quoi. Donc là, par contre, il y a un mini-kit, mais on n'a pas le personnage adéquat. Ici, j'aimerais bien les voir quand même par ici. Ça doit pas faire partie de l'histoire principale, mais justement si. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a changé? Si on peut récupérer des choses, ça peut être pas mal. Voilà, donc ça sera surtout un mini-kit. Voilà, là on rechange, nickel. Alors par contre ici, ouais, il nous faudrait encore le Sarah. Bah ça tombe bien parce que voilà, elle est revenue. Ensuite, on va sauter là-dessus. Voilà, donc ça c'est bah, c'est une ancre, apparemment. C'est ça, où est-ce que t'as vu des pirates, toi, Coco? Donc, on va tous les éliminer, et ensuite, on va pouvoir sûrement péter les caisses dans lesquelles il y a des éléments qui pourraient fortement nous intéresser. Ouais. D'accord, oui, il y a vraiment des choses à reconstituer. Par contre, la palette, voilà, c'est que pour des pièces, de toute façon. Alors, on reconstitue une plateforme pour monter au-dessus. Voilà. Où a pu passer l'équipage? On a vérifié à la proue du navire s'il y avait des skinotiques. Ok, alors attendez, on va essayer de rentrer là-dedans. Donc déjà, je tourne le joystick gauche. Vous n'êtes pas l'équipage. Ok, donc eux, je les dégomme parce que sinon, ils risquent de nous embêter fortement. Là, nous avons quelque chose pour Ian Malcolm, un mémo à retenir. Alors, en haut, en bas, en haut. Ok, donc déjà, on va faire ça, 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 et ceci, voilà. Ok, donc ces éléments-là vont pouvoir être reconstitués pour ouvrir cette nouvelle porte. Ok, et là on accède à quoi si jamais? Pour le moment, rien du tout. Là, ça, ce sont des éléments... Ah, reconstitués, ok. D'accord, donc ça, ça va être pour Sarah qui va lui permettre de rentrer dans la cage. Parce que ici, à part ça, il y a une pièce bleue juste en dessous qu'il faudrait surtout pas louper, ça serait dommage. Voilà. Écoutez, on va prendre le contrôle de Sarah et on va monter juste au-dessus. Voilà, alors là-dedans, il y a peut-être des choses à récupérer. Ou pas, non, c'était que pour des pièces. Là, il n'y a rien à reconstituer. Là non plus, et ça, c'est deux caisses, trois caisses même. Ok, bah écoutez, apparemment ici, ce n'était que pour des pièces. On va ressortir à l'extérieur, du coup. Ok, et ce qu'il faudrait, c'est vraiment débloquer le chemin pour Ian. Attendez, on va essayer de voir si je peux, voilà. Voilà, donc déjà on peut reprendre le contrôle de Ian et dégommer tous les employés du bateau. Voilà, donc toi dégage. Voilà, toi aussi. Et... Ah bah dis donc, il y en a d'autres qui apparaissent. D'accord, et là par contre, il y a quelque chose à récupérer, ça peut être pratique, ça va être un dinosaure. Hop là, voilà, on saura la fin de quel dinosaure il s'agit. Donc ensuite, là ici, il y a encore un garde de hygiène. Voilà. Alors par contre là je vois pas trop ce qu'on va devoir faire après. Pour le moment il n'y a rien à reconstituer, on fait le tour. Tiens, encore deux gardes. Dégage, et toi aussi. Non là c'est les caisses qui ont dégagé mais c'est pas grave. Toujours rien. Ah si, il y a quelqu'un en haut à sauver. Ok, donc c'est... De quoi il s'agit? Ah oui, c'est pour faire la courte échelle. Non non, lâchez ça. On va avoir besoin d'un plus gros bateau.
tout le matériel pour le maîtriser est ici. Il faut le ramener au port. Où est le petit ? Dans un abri protégé ? Pourquoi ? Où est cet abri ? Comment on va trouver l'adulte ? Y'a qu'à suivre les cris. Ok, parfait, donc maintenant... Non, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'est ça? Il faut que j'explose les choses ou comment ça se passe? D'accord, alors en fait ce que je fais depuis tout à l'heure c'est que j'appuie plusieurs fois sur A mais en fait ça fait pas... Ah non, je crois que c'est X pour faire des choses. Ok, oui, c'est X qu'il faut appuyer. Donc ça c'est tout bon. Allez, ouvre la tronche là. Voilà, donc on va essayer de lui balancer ça là-dedans. Voilà, 2 sur 3. Ok. Wouah, il s'est pris le camion en pleine tronche. Ok, donc là pour le moment ce n'est pas moi qui contrôle quoi que ce soit. Non, ça va être pour l'autre joueur. Ok, donc déjà 3 mini-kits. Mais comment je fais moi pour diriger la bagnole? Ah bah comme ça, voilà, tout simplement. Ok, donc là c'est moi qui dirige la bagnole pour le coup. Hein. Donc si je conduis mal, c'est normal, c'est à cause de moi. Alors attendez, on va essayer de dégommer un max de choses, ça peut être pas mal. Voilà, comme ça, plus on dégomme de choses, plus on risque d'avoir de pièces, donc ça c'est pas plus mal. Si je veux rechanger de personnage, voilà, c'est comme ça, ok. Ouais bah je vais reprendre la voiture. Ok, donc là c'est encore moi qui contrôle la bagnole. Ok, donc là il essaie de dégommer le bus apparemment, c'est génial. Ah bah là où il est réveillé, tu parles. Ok, donc là on revient donc dans les embarcadères. En route. Allez. Où est le T-Rex? Il est toujours derrière nous. Professeur Malcolm! Qu'est-ce que vous en avez fait? Je veux ce petit! Oh! Tu es là! Ok, donc histoire terminée, le monde perdu, jeu libre débloqué. Ok, donc nous avons récupéré 91% de pièces. Bah, je suis deck, j'étais pratiquement à 100%. Au niveau du mini-kill, j'en ai récupéré 3. Voilà. Donc après, il y a quoi? Il y a les personnages débloqués, donc Ian Malcolm, San Diego. Sarah Harding, San Diego. Capitaine de port, Ingen. Gérald, investisseur d'Ingen. Jim le pêcheur, il va nous servir à grand chose, hein, n'est-ce pas? Ok, donc là, ça c'est tout bon. Ok, donc bolide de San Diego. Voiture de police. Et c'est tout. Donc ensuite, au niveau du dinosaure débloqué, on a débloqué donc le brachiosaure. Donc c'est le dinosaure à long cou, n'est-ce pas? Ok, donc ça c'est tout bon. Au niveau des briques dorées, j'en ai récupéré une pour le niveau terminé. Et on finit soir et voir ce qui nous attend pour le prochain épisode. Et bien, c'est parti.
Ok, parfait. Donc on se retrouve une nouvelle fois dans un hub différent quand même. Parce que là, on a pas réellement le choix. C'est soit on revient à Jurassic Park ou soit on va à Jurassic Park 3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, qu'est-ce qu'il nous dit là, si on fait ça? D'accord, donc parce que le hub d'origine, où est-ce qu'il était déjà? Il était pas là de toute façon, donc au pire... Ça c'est sur Isla Sorna, et le hub d'origine était sur Isla Nubra, je crois. Bon, c'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. On se retrouvera très prochainement pour le premier épisode de Jurassic Park 3. En attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine, salut tout le monde.